Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est 25 et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode du Tournament of Poképot 8 Brilliant Shining. Et aujourd'hui on se retrouve pour le premier combat du premier épisode avec eh bien le premier affrontement entre moi-même et Arsène Lupin. Voici nos teams, j'ai dans ma position Dielga Torterra, Scorvol, Tyranocif, Azumarill, Alakazam et il a de son côté Pangolion, Scorvol, Tyranocif, Hermure, Vasilis et l'Euphorie. Si vous voulez eh bien, voir tous les détails de la saison, n'hésitez pas à regarder la vidéo de règlement et de présentation des joueurs et à regarder l'intro. Et également, toutes les infos sont aussi en description si je ne m'abuse pas. Donc commençons tout de suite par le premier replay. Sylide avec Dialga, on va mettre un peu de musique quand même. Contre Pangolion, il s'impose les pêches d'orgue de mon côté et le laser glace qui m'enlève 13% et je suis gelé. Pensant du coup je suis gelé, je me prends un deuxième laser glace. Du coup en même temps j'ai les raids du coup qui me rechaînent petit à petit, toujours gelé. Un autre laser glace qui continue de m'enlever 7% au final, hein, tour par tour. Si on compte les restes qui me rechaînent 6% à chaque fois, je perds 7% au final. Je suis dégelé et je rate mon Fatal Foudre. Et je me prends un autre laser glace qui va pas me geler cette fois-ci. Sans le Fatal Foudre qui passe, qui enlève 48%, pas de paralysie, un autre laser glace qui va me geler cette fois-ci, et là, il me semble que j'ai mis un petit message dans le chat, mais voilà deux fois, 15%, 1% de plus sur ce laser glace-ci, le laser glace qui m'enlève encore 15%, j'espère être dégelé, c'est bon, et le Fatal Foudre qui miss encore une fois malheureusement, et le sabotage qui m'a enlevé 14% et qui cette fois-ci enlève mes restes, donc je ne peux plus me régénérer. Fatal Foudre qui enlève 46%, le sabotage qui continue de faire quelques dégâts, et un dernier Fatal Foudre de mettre KO le Pangolion, ça envoie l'Euphorie et je vais poser le toxique tranquillement. Laser glace qui m'enlève 15%, pas de gel cette fois-ci. Et je vais switcher sur Yellow, mon Azumarill qui va se prendre un crit sur laser glace, qui est gelé également. Un plaisir. 3 gels en seul combat, ça fait genre 10 tours. Et le Lance-Flamme du coup qui va me dégeler derrière. Je pose mon Cognobidon, ma baie qui va s'activer et me régène un petit peu. Pensant que je vais faire Aqua Jet qui va one-shot le Scorvol. Ça envoie Vasilis juste derrière. Il va se prendre Aqua Jet et j'avais un doute s'il avait le talent de lavabo. Malheureusement, il a lavabo. Donc je vais faire sabotage derrière. Pensant que je m'étais pris une attaque éboulement. Hermure qui arrive, qui va se prendre Aqua Jet et qui ne meurt pas pourtant. Cyclone qui est fait, ça va envoyer mon Scorpio, mon Scorvol. Je vais faire façade, ça va enlever 10%. Rapace qui va enlever quelques dégâts, soit poison qui va me régénérer derrière. Ça switch sur Tyranocif, ça pose la tempête de sable. Et ça va switcher également sur son propre Tyranocif. Là, ça joue à la speed time normalement, je pense. Et la surpuissance qui va one shot, c'est du x4 en même temps. Et le Euphorie qui revient, qui va se prendre surpuissance et va mourir également derrière. Il ne reste donc plus que Hermure qui va avoir 1% avec les pièges de roc et un dernier surpuissance qui va le mettre KO. Et c'est la fin de ce premier combat. N'oubliez pas que c'est un BO3 et on va se retrouver pour le deuxième combat de ce premier épisode. Et on se retrouve pour le deuxième combat. On va commencer tout de suite, aucun changement. C'est le deuxième combat sur 3 maximum. Celle avec Alakazam contre Pangolion. Je pensais qu'il allait changer de lead. Malheureusement, non. Je pose là. Imagination suite au switch du Scorvol qui va mourir à mon Psycho One Shot. Ça envoie Vasilis qui va se prendre pas malheureusement Exploforce qui miss. Giga Sensu qui va m'enlever 31%. Exploforce qui miss encore Giga Sensu qui fait encore quelques dégâts. Et le Psycho qui va enlever 61%. Ça ne suffit pas. Giga Sensu qui fait quelques dégâts encore. Et le Psycho qui met KO cette fois-ci. Tyranocif qui est envoyé, qui pose la tempête de sable, Exploforce qui passe et qui va le one-shot, en même temps c'est du x4, je suis à plus 2. Scorvol, pas Scorvol, Hermure qui arrive, qui se prend par l'ombre, qui va perdre 80% de sa vie, et le Cyclone qui va me switcher, également baisse de défense spéciale de sa part, j'envoie Tartara, cette fois-ci ça pose l'Epico. Ça va switcher sur le Euphorie qui va se prendre 92% sur le Marteau-Bois, pendant ce temps je perds la moitié de ma vie en même temps, ça fait très mal. Et ça réenvoie le Pangolion qui se prend 47% sur le Marteau-Bois. Pensant la Tempête de Sable ne fait plus effet, le Laser Glace qui va me one-shot.
premier chaos de ma part. Et ça va envoyer mon Scorvol qui va faire séisme, qui va enlever les derniers pétersans du pingolion, soit un poison qui va s'activer, l'euphorie qui arrive et qui va se prendre façade et qui va mourir. Il ne reste donc plus que Hermure qui est à 18%, le façade qui va enlever 9% et le rapace derrière qui va le mettre KO normalement. Oui, rapace qui va le mettre KO. Et ce deuxième combat a été plus rapide que le premier, malheureusement, c'est ainsi. Du coup, l'équipe Diamant Étincelant gagne eh bien, un point pour cette première manche. Et l'équipe Persaintien, du coup, n'ayant pas gagné, ne gagne aucun point. Et on va se retrouver, du coup, j'espère, dans 2 jours pour le deuxième épisode. J'espère que ce premier épisode du tournoi de Pokémon 8 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et on se retrouve donc, du coup, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Pokémon 5 et je vous dis enjoy.